Salut à tous, c'est Swanton. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial sur Hold Your Own. Alors, c'est une nouvelle map que je viens de lancer. Je n'ai absolument plus accès à mon ancienne map. On devait être toujours 30, un peu plus même, je crois. Bref, et mais je vous afficherai ce que ça me fait quand je lance ma map. Et ça peut durer quelques heures avant que le jeu reboot. Donc voilà, j'ai plus de... En gros, j'ai quasiment plus de map, en vrai. Je peux juste lancer une nouvelle map. Et là, j'ai pas de problème. Là, si je sauvegarde maintenant et que je reviens dessus, ça marche. Mais j'ai plus accès à l'autre. Alors, je ne sais pas la raison. J'ai essayé de trouver un moyen d'y accéder pendant je ne sais pas combien de temps. Donc du coup, je pense que le dernier épisode sera l'épisode 10 pour cette série. Je sais pas, un problème de mise à jour, un truc, je ne sais pas. J'ai absolument plus aucun accès. Donc, je vous avoue que repartir à zéro, j'ai un peu pas envie. Parce que c'est vraiment très long comme jeu. Et même là où on était arrivé, réellement, je commençais à me dire, ouais, c'est pas mal, on va avoir le minerai réacteur, enfin on va pouvoir avancer un petit peu plus dans le jeu, mais finalement on n'y arrivera pas parce que la map ne veut absolument plus se charger. Donc du coup voilà, cette série va se terminer comme ça. C'est un peu triste, c'est vraiment pas comme ça que j'aurais voulu la terminer, mais bon voilà, c'est le côté des jeux indépendants. Et voilà, je vous laisse avec un petit best-of et sur ce je vous dis à bientôt. Stop. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai tué pas mal de chasseurs, enfin de bandits, et j'ai récupéré pas mal de trucs. J'ai réussi à monter deux niveaux, j'ai deux points à dépenser là pour le coup. Les chasseurs sont assez faciles à tuer en fait. J'ai trouvé l'endroit pour les cibler au maximum, et du coup maintenant je vois à peu près comment on fait. Alors le chasseur qui a, enfin le bandit qui a le fusil à pompe, franchement il est un petit peu plus compliqué. Celle qui a le pistolet, franchement ça va. Alors je me suis fait tuer évidemment, c'est la base quand même. Alors on va essayer de s'approcher tout doucement. Est-ce qu'il me détecte de super loin ou pas? S'il pouvait s'arrêter ça serait bien. Arrête, arrête, arrête. Tu veux me buter ou quoi? Everyone needs a shoulder to cry on. Everyone needs help in him. Et lui, il a une bonne distance de frappe. Voilà. Il a vraiment une bonne distance de shoot. Voilà, on va se faire son pote. Alors elle est beaucoup plus simple, elle a une distance de tir beaucoup moins grande. Alors si elle pouvait arrêter de marcher, ça serait quand même cool. Oh, calme-toi. Voilà, il me regarde là, non? Et tu meurs.
Yes. Voilà, faut viser juste un tout petit peu au-dessus de sa tête et ça passe tranquille. Voilà. Ah putain, il y fait tellement mal lui. Et il a une portée de malade. Il a juste un fusil à pompe quoi. On va se prendre un bandage. Voire même deux. Et on va se le finir. Au gun. Oh il m'a lâché le mec, il est trop. Viens là toi jeune. Allez, ça dégage. Qu'on peut se le poser n'importe où. Waouh, c'est cool. Can only have you one lit. Ah, tu peux avoir que un seul lit. Et j'ai un loup au cul. On n'est pas bien. Non! Everyone needs someone to rely on. Yes, everyone needs. Bon alors. Oh! Oh yeah! Excellent. 12 000 pièces. Le mec est fou. Qu'est-ce qu'on se prend? Je crois que je vais prendre ça. Hein. Ah ouais? Voilà. Ah, ça me file de l'XP en plus. Putain, 5 000 pièces quand même. 5 000 pièces. Vous avez pas assez d'argent? Ah, c'est chelou ça. Pourtant, j'aurais essayé de t'arnaquer. Allez, on se rejoint là-bas, du coup. Alors, voyons voir. Ah, c'est 5. Ah, 2 coups pour un caillou, là. Ah ouais. Je vais retourner sur l'île du mécanicien. Je vois pas où ça peut être d'autre, sinon... Et je vais fouiller tout le contour. Ok, on arrive sur l'île du mécanicien. Alors, on va regarder vite fait si on voit pas des trucs. Y a, pour l'instant absolument rien. Bon bah je continue. Oh yes, enfin, après quelques heures de paf paf paf. Ok. Oh, on a la coque du bateau. C'est oh, j'ai enfin la coque du bateau. C'est ouais, voilà. Alors on arrive à mon point. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Je vais descendre vite fait. Je vais aller vérifier quand même. Allez, merci. Hop là. Alors on va se méfier parce que la dernière fois que je suis arrivé dans une nouvelle île, je sais ce que ça a donné. Ouais, mais j'ai carrément passé le point. En fait, il n'y a rien du tout. Oh, c'est quoi ça? Eh les gars. Oh mais qu'est-ce qu'il veut lui? Eh non, tais-toi donc. Il est fou lui. Pourquoi tu cours comme ça? Oh, c'est quoi ça? Ah, je l'ai raté. Voilà, tu te calmes, tu es un malade toi. Ok, il doit me rester 2-3 endroits à fouiller. Ici. Oh, oh, il m'a fait tellement peur. Allez, calme-toi. Oh, une petite vache. Viens là, toi. Yeah. Inventaire full. Oh non, non, moi je la récupère. Allez, l'iron lingot, on s'en fout. Ah bah déjà j'en vois un là-bas. On va se le faire. Il faut qu'on s'en tape 14 quoi. J'ai complètement raté ma flèche.
Ah, par contre, lui, je l'avais pas vu. Voilà, merci beaucoup. Ah, complètement foiré aussi. Voilà, ça dégage. Non, non, c'est moi qui te kill you. Et voilà. Oh, de l'essence, c'est magnifique. Voilà, du coup, il nous manque combien? Wow, wow, wow. Attends, attends, attends. Il fait bien mal, lui. On va s'arrêter là-dessus, parce que je sais pas combien de temps je tourne là, à peu près. Mais ça doit faire un bon petit moment. Donc voilà, je vais arrêter l'épisode là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et à bientôt. Skin to forget every little thing.